Bonjour à tous, nous sommes le 12 décembre 2019 et nous sommes donc plus qu'à 187 jours du début de l'Euro. Et même si on se réjouit chaque jour à l'idée de voir Dimitri Payet humilier le peuple allemand, on doit avouer une chose, c'est qu'on est légèrement déçu que ces futurs caramels ne tombent pas sur la tête ou sur le pied d'un homme. Un homme haï et détesté par les personnes de moins d'1m65 et par le Front National, un homme que l'on surnomme plus communément KB9V. Alors aujourd'hui, pour ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent, je vais faire une légère entorse au règlement et je vais parler d'un but qui date d'il y a plus longtemps que cette dernière décennie et ce but, il arrive en février 2008. Oui, légère entorse au règlement de ce calendrier de l'Avent, mais de toute façon, c'est l'anarchie en France, donc on n'a plus besoin de respecter aucune règle, et encore moins celle que je me suis moi-même fixée. Donc aujourd'hui, but qui date de 2008, et vous l'avez sûrement deviné, c'est un but qui passait à l'époque sur TF1, à l'époque où TF1 avait encore le droit de diffuser des matchs, et ce but, c'est évidemment le but de Karim Benzema à Gerland face à Manchester United. Je ne vais pas vous mettre le but de suite, parce que avant de parler de ce but exceptionnel, on va faire une légère contextualisation. On est en 2008, donc c'était il y a maintenant plus de 10 ans, pour ceux qui ne sont pas forts en calcul mental, comme dirait notre ami Laurent Baffy. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, en 2008, on avait encore le droit d'avoir du football gratuit à la télévision et du football de haut niveau avec les affiches de Ligue des Champions sur TF1. Et je ne sais pas si du haut de mes 34 ans, je suis déjà un vieil aigri, un vieux ronchon, mais pour moi, à cette époque-là, la Ligue des Champions, elle avait quand même une saveur beaucoup plus importante qu'aujourd'hui, que ce soit notamment les grandes soirées Ligue des Champions sur Canal+, avec Aimé Jacquet, mais évidemment ces grands rendez-vous sur TF1 avec le regretté Thierry Gilardi. Sur deux buts des rois du dribble, avec du côté de Manchester une incroyable triplette, l'anglais Rooney, le gallois Giggs ou le portugais Cristiano Ronaldo. Face à eux, la nouvelle star du football français Karim Benzema, épaulé par le maître des coups francs, le brésilien Juninho. Du grand spectacle à suivre ce soir en direct sur TF1, Lyon-Manchester United avec Jean-Michel Larquet et Romain Delbello. Désolé pour la distribution gratuite de Nostalgie, mais on ne pouvait pas parler de ce Lyon-Manchester sans faire un léger retour sur ces soirées-là de Ligue des Champions sur TF1 et sur le rôle qu'avait Thierry Gilardi en tant que commentateur, parce que je pense qu'on a tous grandi, selon nos âges, avec des souvenirs de Thierry Gilardi. Et ce match-là, ce Lyon-Manchester, c'est un souvenir de plus par rapport justement à Thierry Gilardi et à la passion qu'il arrivait à transmettre lors de ses commentaires, ou même lorsqu'il était présentateur sur Canal+, où ça a été l'homme de l'équipe du dimanche, ça a été aussi l'homme des grandes soirées Ligue des Champions. Donc cette vidéo, c'est aussi un moyen de se souvenir de ce que Thierry Gilardi a apporté au football en France et à la façon de le traiter. Contextualisation terminée, on va maintenant pouvoir parler de KB9V, de Karim Benzema. Tout est noir avec Karim. Et donc, ce but exceptionnel face à Manchester. Et on en arrive donc à cette traditionnelle question, pourquoi parler de ce but de Karim Benzema? La première raison, c'est que c'est un but tout simplement fantastique. Oulala, oulala qui s'enfonce, Benzema s'est retourné. La frappe de Benzema! Et le but! Formidable enchaînement! Karim Benzema! But exceptionnel, encore une fois, la vitesse à laquelle s'est retrouvé Karim Benzema est proprement prodigieuse et la précision qui a suivi. Parce qu'on a un contexte, ce contexte c'est un huitième de finale de Ligue des Champions aller face à la meilleure équipe du monde cette année-là. Mais on a surtout une réalisation qui défie les lois de la nature, que ce soit au niveau de la vitesse d'exécution de Karim Benzema sur cette action, puis la finalité parce que ça va au bout, et Edwin van der Sar sur cette action, il peut strictement rien faire. Et ce but, pour moi, c'est la meilleure illustration possible des années de Karim Benzema à l'Olympique Lyonnais, parce que quand on voit un but de ce genre dans un contexte comme celui-ci, on se rend compte qu'on est véritablement en train d'assister à l'éclosion d'un phénomène. Parce qu'il faut bien se rendre compte qu'on est sur la fin de l'hégémonie lyonnaise, et si cette hégémonie lyonnaise, elle a pu durer quelques années supplémentaires malgré les erreurs de casting au niveau du recrutement, c'est aussi en grande partie dû à un Karim Benzema qui avait été monstrueux. Et c'est pourquoi maintenant on va en arriver au vrai sujet de cette vidéo et je vais parler de l'une de mes plus grandes déceptions depuis que je suis le foot, et cette déception là c'est Karim Benzema. Donc je vous arrête de suite, pas besoin de m'insulter derrière vos écrans comme ça avait été le cas pour la vidéo sur Zlatan. Je remets pas en cause la carrière de Karim Benzema, je remets pas en cause son palmarès énorme et ce qu'il a réussi à faire au Real Madrid qui est historique. Mais pourquoi je parle de déception avec Karim Benzema, c'est justement à cause de ce genre de but. Parce que quand on voit ce genre de but, quand on voit ce qu'il a fait à l'Olympique Lyonnais, ce qu'il dégageait à l'Olympique Lyonnais, moi j'aurai toujours le regret infini de voir le rôle qu'il a pris au fil des années au Real Madrid. À savoir un joueur qui s'est mis au service du collectif pour que, à côté,
d'autres individualités puissent briller. Alors vous allez trouver ça sûrement paradoxal que je déplore le fait qu'un joueur se mette au service du collectif, mais j'admettrai bien que c'est un sentiment purement égoïste parce que quand j'ai vu Benzema éclore à Lyon, quand j'ai vu ce phénomène, j'attendais de lui que ça devienne le neuf de la décennie. Je voyais en lui le neuf qui allait marquer la décennie, qui allait marquer son sport, et au final, même s'il fait une carrière exceptionnelle, c'est un joueur qui s'est mis au service d'un collectif, alors que j'espérais de lui et j'attendais de lui que ce soit le joueur d'une équipe. Mais il n'est pas question de remettre en cause sa carrière, de remettre en cause ce qu'il accomplit, parce que c'est monstrueux, et que quand tu arrives au Real Madrid, que tu as l'émergence de Cristiano Ronaldo, qui à cette époque-là est l'un des deux meilleurs joueurs du monde, tu dois forcément t'adapter à ce genre de joueur, aussi à un club comme le Real Madrid, et donc forcément, ton jeu il évolue, tu es obligé d'élargir ta palette. Mais personnellement, parce que je suis un grand égoïste et que Benzema c'est l'un des joueurs en Ligue 1 qui m'a le plus marqué depuis que je suis ce championnat, je peux pas m'empêcher d'être un minimum déçu par rapport à ça. Et je parlerai même pas de sa carrière en équipe de France parce que ça c'est un sujet qui tient même pas du football, c'est des raisons extra-sportives, donc ça je rentrerai même pas dans le sujet. Mais je tenais quand même à faire une vidéo sur Karim Benzema parce que sur la dernière décennie, ça a été l'un des meilleurs attaquants du monde, ça a été l'un des moteurs du Real Madrid, ça a été l'un des joueurs qui a permis aussi à Cristiano Ronaldo d'avoir la carrière qu'il a eue au Real Madrid, de voir un joueur qui pour moi aurait dû devenir le 9 ultime parce qu'il avait tout, il avait la technique, il avait la vitesse d'exécution, il avait le physique, il avait l'intelligence de jeu, il avait la force mentale parce que à Lyon, on se souvient du nombre de matchs qu'il avait réussi à débloquer seul sur des exploits individuels, et au final le voir prendre un rôle un peu en retrait dans une équipe, même s'il avait les qualités pour le faire parce qu'on l'a vu au Real Madrid, il a été parfait pour ce rôle, il a été parfait dans ce registre parce que justement il avait une technique, une vision du jeu, une vista qui lui a permis de le faire. Je peux pas m'empêcher de penser à l'éventualité où il aurait été installé comme le 9 d'une équipe, le 9 d'une équipe où l'équipe joue pour lui, et ce but face à Manchester United, pour moi, c'était le meilleur moyen de pouvoir parler de Karim Benzema, de pouvoir parler de cette carrière, parce que vous le savez comme moi, Karim Benzema, il était très apprécié par Sir Alex. Et c'est vrai que souvent, je me demande quelle aurait été sa carrière si au lieu de choisir le Real Madrid, il avait choisi Manchester United et qu'il serait allé à Manchester United avec un Wayne Rooney derrière lui et en étant le numéro 9 de cette grande équipe. Donc voilà, c'était tout pour cet épisode, vous l'avez bien compris, le but c'est pas de dire que la carrière de Benzema est un gâchis parce qu'au contraire il a fait une carrière exceptionnelle et une carrière dont peu de joueurs peuvent rêver, mais c'était l'occasion de parler pour moi l'une de mes déceptions, l'un de mes petits fantasmes qui aurait été de voir Benzema comme le très grand neuf d'une très grande équipe et pas un joueur qui se met au service du collectif. Je sais c'est paradoxal parce qu'on est à une époque où justement il faut que les joueurs se mettent au service du collectif, mais quand je repense au début de Benzema à l'Olympique Lyonnais, quand je repense à ce qu'il aurait pu faire en tant que pur neuf, c'est vrai que ça restera pour moi une petite déception de l'avoir vu devenir ce faux neuf qui se met surtout au service de son équipe. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo un peu spéciale, un peu paradoxale, je sais bien. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo si elle vous a plu, à dire en commentaire vous ce que vous pensez de Karim Benzema, ce que vous pensez de sa carrière, est-ce que je suis un peu trop dur. Abonnez-vous également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo.